Bienvenue, cher voisin. Ça me fait très plaisir que vous me fassiez l'honneur de venir dans cette maison qui est bien sûr la Il n'y vôtre. a pas de doute, c'est ma maison. Oui, et nous honorerons vos moindres désirs, alors n'hésitez donc pas. Je m'appelle Rebecca Fontaner de Rodriguez. Rebecca, nous nous connaissons. Et très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Rebecca? C'est drôle, on dirait que tu as vu un fantôme. Ma présence te déplaît autant que ça dans cette maison? Ah, non, 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 bien sûr, non, bien sûr que non. Bien au contraire. Quel plaisir que tu sois. Bon. Enfin sorti de prison. Dis-le, surtout n'aie pas peur. Je ne savais pas. Écoute, Rebecca, je viens pour que tu m'expliques ce que tu as voulu dire dans cette lettre au sujet de Daniela. Tu peux imaginer ça sur Monsieur Diego? Écoute, je ne veux rien insinuer, mais il t'a donné tellement de choses, ce monsieur, non? Non, pas que tu les mérites pas, mais... Monsieur Diego est un homme très gentil. Il veut juste m'aider, moi et mes enfants, hein? Dis-moi une chose, est-ce que... Il t'a dit des choses? Des choses comme quoi? Je ne sais pas, comme... Comme toi et lui, et bon, je ne sais pas. Tu as les idées mal placées! Tu ressembles à Santiago. Bien sûr que non, il ne m'a jamais rien dit de déplacer. Il ne m'a jamais proposé quoi que ce soit. Au D'accord. contraire, il est très aimable et il me traite avec respect. Si un jour il fait un faux pas, tu ne m'en parleras pas? Je vais te dire un truc. Je n'aime pas que tu penses ça de Monsieur Diego. Tu as déjà oublié ce qu'il a fait pour nous? Il a sauvé Paulina et moi de l'incendie? Il t'a donné un travail? Il a aidé ta mère à remonter son magasin? Hein? Oui, bien sûr que tu as raison. Et tout ça est vrai, mais il t'a donné tellement de choses depuis qu'il te connaît que j'espère qu'il n'attend rien d'en retour. Mais je viens de te dire que non! Je te jure, t'es trop nul de penser ça de lui. Monsieur Diego est un homme bon et droit. Là. Moi, je voulais simplement avertir mon nouveau voisin d'en face du grave danger qu'il courait dans... sans savoir évidemment ce que c'était toi. Dis-moi, Rebecca, quel est ce danger aussi imminent? Cette jeune femme avec qui tu vis chez toi est extrêmement dangereuse. Sinon, on ne l'appellerait sûrement pas la diable. Certainement, tu ne sais pas. Merci beaucoup. Mais elle a séduit mon fils aîné, Santiago. D'ailleurs, je suis presque certaine qu'elle l'a drogué avec je ne sais quoi pour l'embobiner. Et évidemment, le pauvre est tombé dans les filets de cette fichue saleté. Non, c'est pas vrai. Oui, si, je te jure, tu ne sais pas ce qu'elle nous a fait. Je te jure, ça a été un véritable cauchemar. Mais assieds-toi, s'il te plaît. Cette jeune fille, je t'assure, a vu en la personne de Santiago la possibilité de devenir riche et elle a fait tout son possible pour le conquérir, mais elle n'y arrivera pas, tu peux me croire, c'est une profiteuse. C'est une arriviste, Diego, je te le jure. Tu sais, oui. Tu es en train de me faire la description parfaite de quelques personnes que je connais très bien. Et justement, en ce qui concerne la diable, comme tu l'appelles, oui. Jamais je ne l'aurais soupçonnée. Parce que tu ne la connais pas bien, mais je te le jure. Je te jure, Diego, que tout ce que je te raconte aujourd'hui est vrai. Mais par chance, mon fils s'est rendu compte à temps et il l'a laissé tomber pour se marier avec une femme qu'il mérite, une femme décente, éduquée, de bonne famille. Malgré ça, cette espèce de maudite Daniela ne cesse de le harceler, de le harceler, de le harceler. Et de nous faire du chantage à tous, oui, à toute la famille. Vous faire du chantage? Oui, tu ne sais pas. Elle nous a demandé beaucoup d'argent pour nous laisser en paix. Tu ne la connais pas encore assez. Et la cerise sur le gâteau, elle veut mettre sur le dos de Santiago la responsabilité des enfants qu'elle a eus. Est-ce que tu imagines? D'après ce que j'ai cru le comprendre, Santiago est bien le père. Non! Non, 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 évidemment que non! Mon fils ne peut pas être le père de ces morveux, de ces porcs, de ces crasseux, s'il te plaît! Mon petit Santiago est un homme beaucoup trop convenable! Jamais, au grand jamais, il n'aurait pu s'acoquiner avec cette espèce de mendiante. Je vais te demander de ne pas parler ainsi de Daniela. Ah, bien sûr. Bien sûr, pardonne-moi, Diego. Mais j'avais oublié qu'elle était ta... Ma quoi? Bon, elle est ta maîtresse, Diego. Pardonne-moi de te le dire ainsi, excuse-moi. Mais elle est en train de t'utiliser dans l'unique but de rester proche de mon fils Santiago, je te jure. Diego, cette gamine n'est pas du tout ce que tu crois, elle t'utilise.
Et qu'est-ce qui te fait penser que Daniela est ma maîtresse? Non, bon, comment ça, quoi? Diego, s'il te plaît, tu l'as quand même sorti de la rue. Tu l'as aussi invité à vivre avec toi dans ta maison. Je ne suis pas non plus abrutie, non, c'est vrai. Au début, j'ai pensé que peut-être tu l'avais prise comme servante, comme femme de chambre. Mais quand j'ai appris que tu l'avais emmenée avec toi au théâtre, au gala de cette soirée de charité, bon, toute maquillée et habillée avec une robe de couturier très chère, bon, je m'en suis rendu compte, Diego, que veux-tu que je te dise? Je me suis rendu compte que tu avais une relation avec elle, non? Et selon tes critères extrêmement limités... Oui. Le fait qu'un homme très riche puisse aider une jeune femme qui vient de la rue s'explique seulement si elle est sa maîtresse, c'est bien ça? Mais écoute, Diego, tu sais ce que tu fais, tu as certainement des raisons. Moi, comme tu vois, je n'ai fait qu'accomplir mon devoir. En t'avertissant au plus vite du genre de femme que cette Daniela était, cette diable-là. La seule chose que je vais te demander, et ça de tout mon... de tout mon cœur, c'est que tu l'emmènes vivre très loin d'ici. Je ne veux pas que cette garce de ce genre rôde autour de mon fils, s'il te plaît. Et moi, je ne vais plus permettre que ni toi ni personne de ta famille n'insulte ni ne blesse Daniela. Garde pour toi tes avertissements, tes lettres de recommandation. Parce que si tu veux parler d'arriviste et d'opportuniste, toi et ton mari, vous avez une nette longueur d'avance. Diego, comment oses-tu me parler ainsi dans ma propre maison? Est-ce que tu aurais oublié que pour le monde entier, tu n'es qu'un vulgaire criminel? Est-ce que tu aurais déjà oublié que tu n'es pour nous qu'un ancien prisonnier? Non, Rebecca. Ça, je ne peux pas l'oublier. Je n'oublierai jamais que j'ai passé 20 longues années enfermé pour un crime que je n'ai pas commis. 7300, oui, 7300 jours et leurs nuits... à me demander quelle espèce de salopard avait pu assassiner ma femme et ensuite m'inculper. 20 longues années, 20 années de douleur et de souffrance, 20 longues années à pleurer la mort de ma femme et autant d'années d'angoisse de n'avoir rien pu faire pour l'aider. Et 20 ans à haïr ce criminel. Non, Rebecca, je ne pourrai certainement pas l'oublier. Comme je n'oublierai certainement pas non plus toute cette haine et cette soif de vengeance que j'ai accumulée toutes ces années passées. Quoi? Et quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne t'inquiète pas. Très vite, tu vas le savoir. Sois seulement sûr d'une chose. Les coupables vont payer pour tout le mal qu'ils ont fait. Et Rebecca, surtout n'oublie pas une seule des phrases que je viens de prononcer aujourd'hui. Je t'apporte ta soupe préférée, ma chérie. Non, je n'ai pas faim. Allez, ma chérie. C'est une soupe de poulet avec du vermicelle. Non. D'accord, ma chérie. Comme tu voudras. Est-ce que tu te sens mieux, ma chérie? Sandra, je suis très inquiète pour toi. Le docteur a dit que cette crise que tu as eue n'était pas normale. Le docteur n'y connaît rien. Tu as eu des hallucinations, Sandra. Ça veut dire que les médicaments n'ont absolument pas d'effet sur toi? Ou alors que tu nous mens et que tu ne les prends toujours pas? Oh. Santiago va bientôt divorcer de moi. Je vais en mourir. Je t'interdis de parler comme ça, Sandra. Tu es une femme forte qui ne mourra pour personne, tu m'entends? Personne! S'il n'est pas à moi, plus rien n'a d'importance. Écoute-moi bien, Sandra. Tu ne peux pas permettre que Santiago prenne le contrôle de ce qui arrive.
Tu es celle qui doit gérer la situation, qui doit éviter qu'il demande le divorce. Il faut qu'il vienne manger dans ta main, tu m'entends? Tu ne vas pas te faire remplacer par cette vulgaire crasseuse. Et Santiago, comment je fais pour qu'il ne demande plus le divorce? Je suis tellement humiliée. Laisse-moi, je vais me charger de Santiago. Je te jure devant Dieu qu'il va oublier cette idée, je te le jure. Parce que je suis ta mère. Calme-toi, ma chérie. Je t'aime. Je vais tout arranger. Madame? Madame, ça va? Vous voulez que j'appelle un docteur pour qu'il vienne me voir? Non. Ce que je veux... c'est quelqu'un... qui me réveille de ce... de ce cauchemar. Madame, vous me faites peur. En quoi je peux vous aider? Tu sais... personne... personne ne peut m'aider, personne. Asseyez-vous, madame, par là. Non, non, laisse-moi. Laisse-moi. Il faut que... écoute-moi, Teresa. Je veux que tu deviennes amie avec une des servantes de la maison d'en face. Je n'en connais aucune, madame. Mais ça, je m'en fiche. Peu importe. Trouve un moyen. Trouve une manière. Au final, je veux que tu saches tout. Absolument tout ce qui se passe dans cette fichue maison d'en face. Oui, tout. Je te récompenserai si tu m'apportes des informations qui en valent la peine. En attendant, va me chercher des informations. Oui, madame. Je verrai ce que je peux faire. Mais je vous ramènerai des informations. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Rien. Nous avons simplement parlé. Elle a dit quoi? Elle a dit du mal de moi? Non, ne t'inquiète pas. Je lui ai fait comprendre que je ne permettrai plus jamais qu'il te cherche des noises. Parce que vous croyez qu'ils vont vous écouter? Ces gens-là ne comprennent pas. Ils vont continuer à me traiter pire qu'un chien enragé. Non, Daniela. Tu dois comprendre que les humiliations, c'est terminé. Mais pour que ça arrive, il faut que tu travailles dur à ton éducation. Daniela, tu dois te transformer en une femme du monde. Je suis sûre que j'apprendrai, mais bon... bon, parfois je me remets à penser. Et je ne veux pas me transformer en une prétentieuse comme eux qui ne pensent qu'à l'argent et à ce qui les arrange. Je ne veux pas maltraiter les autres. Et je ne veux pas non plus mentir à qui que ce soit. Parce que bon, dernièrement, je suis bien ici avec mes enfants. Daniela, viens ici. Ma petite. Écoute. Jamais, au grand jamais, tu ne seras comme eux. Tu ne changeras jamais. Jamais tu ne cesseras d'être une femme magnifique. Pure. Parce qu'à la différence de tous ces salopards, tu possèdes un cœur extraordinaire. Et même si tu reçois toute l'éducation du monde, que tu es une femme du monde et que tu as beaucoup d'argent, tu ne changeras jamais. Comment est-ce que je vais avoir de l'argent? C'est vous qui en avez. D'où est-ce que vous voulez que j'en sorte pour être riche? C'est vrai, oui, oui. Mais j'ai des très grandes ambitions pour toi. Alors s'il te plaît, j'ai besoin que tu me fasses confiance. La première chose que j'aimerais, c'est de te présenter aux personnes les plus influentes et puissantes de ce pays. Personnes auxquelles même la famille Rodriguez n'a absolument pas accès. Moi? Et pourquoi voulez-vous que je les connaisse? Eh bien, premièrement, pour les faire enrager. Et ensuite, pour qu'ils se rendent compte que tu peux aller beaucoup plus haut qu'ils ne l'auraient espéré. Je veux que Rebecca et toute sa famille soient humiliés. Qu'ils se mettent à genoux devant toi et te demandent pardon. Quoi de neuf, Ruiz? Est-ce que tu as des nouvelles? Oui, Horacio, et de très bonnes nouvelles.
J'ai retrouvé Karina, pas très loin du quartier où vit son graphiste. Très bien, tu ne la perds pas de vue. J'arrive immédiatement là-bas. Bon, à plus tard. Horatio ! Horatio, nous devons nous parler. Il s'est passé quelque chose. Non, je n'ai pas le temps, je suis très pressé. Non, ça ne peut pas attendre, Horatio, écoute-moi. Il vient juste de partir. Qui ? De qui tu parles ? Diego Montenegro. Diego Montenegro était tout à l'heure dans notre maison. Il voulait quoi ? Je te parle, il voulait quoi ? Qu'est-ce qu'il cherchait ? C'est moi qui l'ai fait venir, Horatio. Quoi, c'est toi ? Tu te rappelles que je t'ai dit que j'allais envoyer une lettre au voisin en face pour l'avertir au sujet de Daniela ? Oui. Eh bien, ce voisin qui protège cette satanée petite garce de Daniela, c'est lui ! Oscar, viens voir mon œuvre d'art. Tu ne trouves pas que ça fait de moi une artiste de rue? C'est pas mal, hein? Pas trop mal, pas trop mal. Ça ne te plaît pas? Bah tu vois, regarde, elle a pas de corps, c'est juste une tête, quoi. Comment ça ressemble exactement à ce qu'il a peint? Peut-être, mais il a fait ça quand il avait 3 ans. Oh, ben toi, tes gribouillages, ils ont été faits par un singe avec de l'arthrite. Quoi? Avec de l'arthrite? Et ben, aveugle. Toi, par un gamin de maternelle. Tais-toi. Non, fais pas ça, attends, je suis torse nu, mon amour. Du calme. Attends, tu m'auras pas. Ah, Oscar, non. Arrête. Tiens là. Ah, tiens, prends ça. Arrête ça. Non. Voilà, maintenant tu restes calme. Hein? C'est d'accord, là, il faut que j'apprenne du maître. Du début. Du début. Même si on dirait que ça a été fait par un singe. Ah. Et tu le veux ? Passe ! Dis c'est à Oscar bon. Qu'il faut Allez. Qu'il rajoute sur son dessin un peu plus de rose. Okay. Oui, c'est vrai que ça peut l'améliorer, tout effectivement. De suite. Attends-moi, Karina ! Je te rejoins ! Bon, alors ? Oscar, tu étais censé me suivre ? Idiote, stupide. Qu'est-ce qu'il y a, Paulina ? Bébête. T'as un problème ? Non, rien. Ça va. Non, qu'est-ce que t'as ? Je suis vraiment trop bête. Je suis une cloche. Pourquoi ? Ben, parce qu'un garçon me draguait trop bien et je suis partie en courant. Et pourquoi ? Je suis crue, je viens de te le dire. Il était branché en mode drague et j'ai eu peur. Mais pourquoi tu as eu peur ? Ben... Je sais pas, je veux dire, je l'avais jamais vraiment regardé. Même s'il est plus vieux que moi, il est pas mal du tout. Il a l'air de te plaire. Ben, oui, il me plaît et c'est le premier type qui me drague comme ça. Mais alors ? Je suis trop bête, j'ai tout fichu par terre. Mais tu ne devrais pas te laisser impressionner pour ça, Paulina. Pourquoi tu n'y retournes pas ? Comment moi ? Ben oui, qu'est-ce qu'il y a de mal ? Juste comme ça ? Oui, comme ça, nous les filles, on peut aussi courir après les mecs. Va le trouver et fais-toi belle. Oui, dis-lui, je ne sais pas, que tu l'invites à manger ou un truc. Tu crois ? Oui, bien sûr. C'est ce qui s'est passé avec Oscar. Cette fois, je vais t'avoir. Ah, Oscar. Quoi, tu veux ta classe ? Pourquoi tu ne m'as pas suivie ? Ah, parce que je devais régler quelques affaires très importantes. Je devais corriger tes erreurs. Ah, calme-toi. Hein. Bon, on y va, non ? D'accord. C'est bon de manger, n'est-ce pas, mon Diego ? Si tu savais comme Paulina me manque, j'ai super envie de la revoir pour lui raconter tout ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en dites ? On va lui rendre visite ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai donné à manger à Diego et bon, Santiago était un peu inquiet, mais bon, il fallait bien le nourrir. C'est très bien, mademoiselle. Je t'ai dit de m'appeler Daniela. Ou alors, appelle-moi la diable. Parce que mademoiselle, c'est hyper bizarre.
Comment pourrais-je vous appeler ainsi? Et pourquoi pas, hein? Non, 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 vous êtes ma patronne. Ah, laisse tomber ces histoires de patronne. Je veux que toi et moi, on ne devienne pas attalés. Donne-moi un coup de main avec ces couches. Et après, on va rendre visite à ma copine Paulina. Je ne crois pas, mademoiselle, parce que Monsieur Diego vient de dire à Alexis de commencer votre entraînement, votre éducation. Et elle vous attend en bas. Oh non. Seul toi pouvais l'inviter chez nous, seul toi, je te jure. Tu es injuste, Horatio, mais je ne le savais pas. Comment? Comment as-tu pu commettre une bêtise pareille? Tu ne réfléchis donc pas? Horatio, s'il te plaît. Quand je l'ai invité à venir, jamais. Jamais je n'aurais pensé que c'était Diego. Où est-ce que j'aurais pu savoir que ça allait être Diego? Moi, la seule chose que je voulais, c'était connaître notre nouveau voisin, lui souhaiter la bienvenue et lui dire quel genre de bourrique infâme vivait dans sa maison. C'est tout ce que je voulais faire. Toi et tes obsessions. Pourquoi tu ne comprends pas une bonne fois pour toutes que tu ne dois jamais prendre de décision toute seule? Viens toujours me consulter avant, je te l'ai dit mille fois. Regarde dans quel problème tu viens de nous plonger maintenant. Alors, maintenant, réfléchis, je t'en prie, réfléchis. Il t'a dit quoi d'autre? Il m'a dit des choses qui m'ont fait peur. Il t'a dit quoi? Il m'a dit que nous devions laisser sa maîtresse tranquille. Sinon, ça irait mal. Que nous en subirions durement les conséquences. Daniela n'est pas sa maîtresse. Ne sois pas bête, c'est sa fille. C'est celle qui a disparu le jour de l'assassinat de sa femme. Tu ne te rends pas compte? Et ça, c'est quoi? Avant de commencer ta transformation, j'aimerais que nous fassions une sorte de rite de purification. Ah bon, et pourquoi? Pour commencer une nouvelle vie, il faut en premier lieu se débarrasser de tout ce qui nous a gênés dans notre passé. Dans cette boîte, il y a tout ce que tu as été et ce que tu ne veux plus jamais être. Tiens, je veux que tu l'achètes dans le feu. Quoi? C'est encore en bon état, ce n'est même pas déchiré. Dis-toi que tous ces vêtements représentent toutes les douleurs que tu as vécues dans cette vieille maison. Tout ce que tu as souffert, les mauvais traitements, la tristesse, les peines. Tu n'aimerais pas que tout ça disparaisse? Dans ce cas, jette-la au feu. Et dis-toi au fond de toi que plus jamais de ta vie tu ne permettras que ces douleurs arrivent de nouveau. Que plus jamais de ta vie tu ne laisseras quelqu'un te maltraiter comme on l'a fait. Et là, si tu aimes la robe, laisse-moi te l'offrir. Et pourquoi tu ferais ça alors qu'on n'est même pas amis? Tu me trouves sympa, c'est tout? C'est pour ça que je veux être ton ami. Dis-moi oui.
Non. Ça, je ne peux pas la brûler. Santiago me l'a offerte. Raison de plus pour que nous la brûlions. N'est-ce pas à cause de lui que tu as souffert autant? Je sais. Mais j'ai aussi passé avec lui les plus beaux moments de toute ma vie. Des moments que tu as payés avec énormément de souffrance. Rester accroché à quelques instants de bonheur, aussi intense soit-il, ne te permettra pas de changer. Non ! C'est toujours difficile de changer. C'est la seule façon d'aller de l'avant, Daniela. Pour grandir, il faut détruire un monde. Monsieur Horacio m'a demandé de vous donner ça. Pour révision. Merci, Sarah. Une fois que j'aurai fini ça, je m'en chargerai. Mm-hmm. Tout va bien? Oui, tout va bien. Excusez-moi. Je t'en prie. Bonjour, Sarah. Entrez. Santiago, bonjour. Je viens de parler de quelque chose d'urgent. Avant même que tu ne me dises quoi que ce soit, sache que je ne changerai pas d'opinion. Mon avocat a commencé à travailler sur le divorce. Ah, Santiago, tu ne peux pas lui faire une chose pareille. Et pourquoi je ne peux pas le faire? Santiago, si tu divorces de ma fille en ces moments difficiles, elle va mourir. Et tu porteras cette responsabilité jusqu'à la fin de tes jours. Ça ne servait à rien de brûler cette jolie robe. Elle me rappelait de bons souvenirs. Je sais que c'est très dur. Et tu penses certainement que j'exagère un peu. Mais tu commences une nouvelle vie, ma petite Daniela. Pleine de promesses. Et de plans. C'est vrai. Pour que tu puisses réellement saisir le bonheur en plein vol, il est important que tu te débarrasses de ton passé. Tu me comprends? Non, pas très bien. Bien. En d'autres mots, comme toi, tu pourrais dire, nous faisons table rase de ce maudit passé. Je vais d'abord t'apprendre à t'habiller, à marcher, à manger avec de bonnes manières et à te comporter comme une grande dame doit le faire en société. Et tu vas aussi m'apprendre à rapiécer mon cœur? Tu apprendras bien vite qu'avec le temps, le cœur se rapièce tout seul. Mais il est important avant tout que tu apprennes à cacher tes sentiments. Pourquoi? Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans ton cœur. De cette façon, tu te protèges. Oui, comme si c'était facile, non? Parce que la plupart du temps, les sentiments explosent, c'est tout. À partir de maintenant, ils ne le feront plus jamais. Pardon, je ne crois pas un mot de ce que tu viens de me dire. Parce que ta fille n'a pas cessé de me mentir depuis le début. Ah, Santiago, je te jure que ceci n'est pas une feinte de Sandra. Ce que je te dis est malheureusement bien vrai. Et d'après toi, de quoi souffre-t-elle? Voilà, Santiago. Ma fille suit un traitement psychiatrique depuis un certain temps. Et ça fait aussi quelque temps qu'elle a arrêté de prendre ses médicaments. Attends, c'est très sérieux, Louisa. Ni toi, ni Sandra n'avaient trouvé opportun de m'en parler avant? Santiago, je le sais, c'est une erreur, je le reconnais. Une erreur, oui. Un énorme mensonge, je dirais plutôt. Écoute, le problème, c'est que ma fille est vraiment vulnérable en ce moment. Si tu continues avec cette histoire de divorce, Sandra ne le supportera pas. Tu sais quel est le problème, Louisa? Je ne sais pas si je dois te croire. Si tu ne me crois pas, je peux te donner le numéro du docteur. Parle-lui, qu'il t'explique tout en détail. Tu peux me croire, je vais appeler le docteur, oui. Et je vais vérifier toutes les informations. Si tu veux bien m'excuser, Louisa, j'ai beaucoup de travail à faire. Oui, pardon. Excuse-moi. Comment peux-tu être aussi sûr que cette crasseuse est sa fille? Elle sort de la rue. La ressemblance et l'âge. Ce ne sont pas des coïncidences. Réalise un peu, pour l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Dans un premier temps, ne surtout rien dire de ça à personne. Est-ce que tu m'as écouté? Oui, je t'écoute.
Et encore moins à Santiago, hein. Il ne doit pas savoir que Daniela est la fille et pas la maîtresse de Diego. Alors surtout, ne va rien révéler à aucune des servantes comme tu en as l'habitude. Et surtout, pas un seul mot de tout ceci à personne. Mais j'ai compris. Non, c'est d'accord. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi là. Santiago doit croire que Daniela est la maîtresse de cet ex-tola. C'est bien clair, n'est-ce pas? Dans très peu de temps, tu apprendras à être une vraie dame du monde. Tu apprendras à marcher, à avoir de bonnes manières, à écrire correctement et aussi à parler correctement. Présente ta main et serre-la avec douceur. Avec douceur, ma petite, avec douceur. Pas comme ça. Le coude se déroule très doucement, avec douceur. Serrer la main est un acte de confiance. Non, ne me secoue pas, s'il te plaît, non. Tu ne comprendras donc jamais. Achetez votre journal du jour. Toutes les nouvelles achetez de les la journée. Nouvelles du jour, les dernières nouvelles. Achetez les nouvelles du jour. Achetez. Les dernières nouvelles. Achetez les nouvelles du jour. Comment va ton pied? Ça fait encore mal? Non, plus mal. Je suis placé ici pour essayer de te retrouver. Non, c'est vrai? La nuit dernière, j'ai pas dormi. À cause d'insomnie? Non, je ne pouvais pas dormir parce que je pensais à toi. Daniela. Qu'est-ce qu'il fait ici? On va voir. Bonjour. Toi, t'es en train de chercher Dani, là, non? Oui, tu la trouveras pas ici, frangin. Ça fait longtemps qu'elle habite plus dans le quartier. Elle fait d'autres trucs, maintenant. Elle s'est trouvée un millionnaire qui prend soin d'elle et la respecte. Pas comme d'autres qui l'ont traité mal. Un qui l'aime beaucoup et très, très gentil. Ça te fait quoi d'apprendre ça? Ah, les enfants. Si seulement vous saviez. Franchement, je dois te féliciter, Augustin. Tu as fait un travail véritablement remarquable. Monsieur Diego, il faut que je vous parle. Là, j'en ai vraiment plus qu'assez de cette pipelette que vous m'avez donnée comme prof. Augustin, est-ce que tu peux nous laisser seuls un moment? Oui, bien sûr. Quoi? Tu resteras toute ta vie un diable. J'aimerais bien te voir à ma place, calme-toi, c'est une blague. Daniela, tu veux bien t'asseoir et me raconter? D'accord. Je m'assois, mais je le fais comme j'en ai envie, et certainement pas lentement, pas sur le bord, pas en croisant les jambes, rien, hein? Non, assieds-toi comme tu le veux, mais parle-moi. Je ne sais
sais pas pourquoi vous m'enseignez toutes ces âneries. J'ai l'impression d'être un de ces chiens qui donne la patte, qui fait des tours, qui lève la patte, qui fait pipi et tout ça. Personne n'a l'intention de te transformer en chien savant, Daniela. La seule chose que je veux, c'est que tu deviennes une grande dame à l'aise en société. Et je vous ai déjà dit que je ne voulais pas être une vieille chouette qui vous donne l'impression de sentir le fromage. Non, non, bien entendu. Moi non plus, je ne veux pas te transformer en ça. Alors ? Je ne veux pas que tu cesses d'être la diable, Daniela. Ah, c'est vrai ? Je te jure. Je ne veux pas que tu perdes ton essence parce que c'est une chose merveilleuse ce que tu as. La seule chose que je veux vraiment, c'est que tu apprennes les règles du jeu. Parce que tu vas entrer dans une société impitoyable. Et une fois à l'intérieur, nous allons les détruire. Merci. Pardon de vous avoir fait venir, mais il fallait que je vous parle de toute urgence. Ne vous en faites pas. Essayez-vous. Fort heureusement, j'avais la journée de libre. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider ? Docteur, j'aimerais savoir quelle est la condition exacte de Sandra. Parce qu'autant sa mère et elle, je ne crois pas qu'elles me disent les choses telles qu'elles sont. Santiago. J'ai besoin de savoir. J'espère que vous me comprenez. Je ne peux rien vous dire. Comprenez mon éthique de médecin, m'en empêche. Docteur, je comprends votre position, mais je suis le mari de Sandra et j'ai le droit de savoir comment elle va. Laisse ça, Yamina, tu vas te faire mal. Non, qu'est-ce que tu vas croire, Carmen ? Que... descends de là, s'il te plaît, Yamina. Oh. Vas-y, laisse-moi t'aider. C'est d'accord. Alors voilà. Là, attention, ce qui se passe, merci. Je veux que les clients voient de très loin qu'ici, nous célébrons la journée nationale. On va leur faire de super bonnes affaires. C'est une très bonne idée. Nous allons fêter la fête nationale en grande pompe, messieurs, dames. Dis-moi, Yamina, ce magasin a quand même beaucoup d'allure. Et... tu sais quoi ? Quand je l'ai vu tout brûler, t'es plus... jamais je n'aurais pensé qu'on le remettrait un jour sur pied. Oh, mais tu y es arrivée, Carmen, hein ? Tu sais ce qu'on devrait faire ? Quoi ? C'est que j'aimerais qu'on fasse une fête de tous les diables. Pour inaugurer le lieu de manière officielle. Ah, d'accord, je vais t'aider, il faut inviter tout le quartier, non ? Tu sais quoi ? Quoi ? Je vais demander au père Vincent qu'il vienne donner sa bénédiction pour que tout se passe bien. Très bien. Et puis, il faut inviter Daniela, non ? Oui, maintenant que son gamin va bien, elle va sûrement venir, hein ? Bien sûr que oui, elle va venir. Nous sommes toujours ses amis, pas vrai ? Eh oui. Bien, bien bonjour, sûr. Mme Carmen, bonjour, maman. Ma chérie, calme-toi. T'as du shampoing, est-ce que t'as du parfum ? Et puis, il me faut aussi du maquillage, hein ? Du shampoing ? Ben, je te verrai plus tard, hein ? Du maquillage, shampoing et maquillage et du parfum ? Je passe plus tard pour payer. Mais Paulina, dis-moi, attends-moi, pourquoi tu veux du shampoing ? Ne me dis pas que tu vas prendre un bain ? Il faut qu'elle fasse attention à ne pas se dissoudre, hein ? Aïe, 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 elle va prendre un bain, il faut absolument fêter ça. Elle va se dissoudre, elle va disparaître dans le bain. Mais quoi que tu aies besoin, quoi qu'il y ait besoin de notre bébé, tu m'en fais parler et je m'en charge, d'accord ? Tu vas reconnaître ton enfant ? Je vais... j'en parler à mes parents. Mais que je suis bête ! Pourquoi est-ce qu'il faut que ça m'arrive à moi ? Santiago ? Comment tu te sens ? Bien. Bien. Ça me fait plaisir. C'est bien que tu viennes. J'ai tellement honte de moi, je te jure. Je ne sais pas par où commencer. Pardonne-moi, s'il te plaît, d'avoir fait autant de mal. Sandra, j'ai parlé à ta mère et elle m'a expliqué la situation que m'a confirmé le docteur. Alors tu sais que je ne contrôle pas forcément ce que je fais, n'est-ce pas ? Oui, j'en suis désolée. Je suis désolée. Depuis l'autre jour, j'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit dans nos conversations. Et je ne peux pas te retenir par la force. Si tu veux le divorce, je vais te le donner. Sans faire de scène, je te le promets. Nous parlerons de ça plus tard. Repose-toi bien.
Santiago! Santiago! Ton fils est en train de mourir. Non mais je vous jure, j'aimerais avoir un miroir pour que vous voyez la tête que vous faites en ce moment. Écoute, saleté, tu commences à me porter sur les nerfs. Pas de ça, n'essaye même pas ce petit jeu avec moi. Lâche-moi, Zalia, lâche-moi. Il est policier, je vais te régler ton compte. Essaye, arrête ça tout de suite. Vous êtes peut-être très riche et tout ça, mais au bout du compte, on est tous pareils à l'intérieur. Alors vous me respectez comme je vous respecte. Sortez de ma maison. Pas de panique, je m'en vais. Espèce d'imbécile. Personne ne se moquera de moi. C'était précisément ça l'idée, que tu commences à te sentir heureuse de ce que tu fais. Tu sais, je me sens très fière que tu n'aies pas abandonné et que tu fasses tant d'efforts. Non, c'est vrai, vous êtes fière. Je pensais que vous vous étiez fatiguée de moi. Non, ça jamais. Tu es divertissante, pleine de vie. Et jamais, au grand jamais, Daniela, je ne me fatiguerai de ton vocabulaire fleuri. Et vous ne vous moquerez pas non plus de moi comme cette sale Rebecca ? Qui dit que je suis une crasseuse et une idiote. Parce que oui, parfois, je suis un peu gauche et je ne comprends pas tout tout de suite, mais qu'est-ce non, que vous voulez que non, je fasse? Non, non, surtout ne dis pas ça, ma petite. Tu es une fille très intelligente, sensible et belle. Mmh. Et ne laisse personne te dire le contraire. Ah, monsieur Diego, vous me dites des choses si gentilles. Quand je vous écoute, eh bien, je sens comme de la tranquillité. C'est comme ça que je veux que tu te sentes, désormais. Non, Daniela. C'est impossible. Pas toi, Daniela. Pas toi. Alors c'est donc vrai. Daniela et cette espèce de vieux salopard sont amants. Non. Pas toi. Ma princesse, non, tu ne peux pas faire ça. Non! Tu ne peux pas être la maîtresse de ce type. Daniela, moi je t'aime. Qu'est-ce que tu trafiques dans cette fichue maison? Pourquoi? Pourquoi?